Et salut tout le monde, c'est TexTheCraft et bienvenue pour la présentation d'un petit jeu que j'ai trouvé sur Steam qui s'appelle Gunfleet, oui, qui est un jeu en Early Access disponible sur Steam. Bien sûr, le lien sera dans la description. Donc je vais vous présenter le jeu en globalité, un petit peu toutes les interfaces qui pourraient vous plaire. Il est gratuit, c'est une sorte de free-to-play aussi, un petit peu comme World of Warship, mais avec des bateaux en terrain beaucoup plus petits, on va dire. Voilà, c'est la différence. Et des sous-marins, pour ceux qui voudraient jouer avec des sous-marins. Même personnellement, j'ai trouvé, en faisant quelques games, peut-être un petit déséquilibrage entre une grosse différence entre le tier 1 et le tier 2. Bon, j'ai pas encore pu tester le tier 3 parce que j'ai que des tiers 1. Parce que j'ai joué un petit peu en stream la dernière fois. Bon, vous avez des mécaniques de jeu qui sont peu connues. Hein. Surtout, bah, par exemple, il y en a un, c'est un bateau japonais. Et en fait, c'est simplement un bateau à hélice. En fait, c'est plus un. Pas un overboard, je sais plus comment ça s'appelle, ce véhicule qui vole sur l'eau. Un truc bon, bref. Voilà, donc il est grâce à une hélice et il a simplement des mitrailleuses. Voilà, bon, par contre, il est ultra rapide, on verra ça juste après. Bon, j'ai eu 6 heures de compte premium parce que j'ai dû me loguer, je sais pas, peut-être qu'il y a des bonus. Pensez à changer votre pseudo, normalement la première fois c'est gratuit, normalement je sais plus, parce que moi je l'ai pu le faire gratuit parce que j'ai toujours mes 1500 gold. Que j'aide gratuit début du jeu, ça arrive souvent, les jeux comme ça où ils vous gagnent 2500. Voilà, pensez à le faire parce que c'est un peu mieux. Vous pouvez vous loguer via Steam, pas obligé de créer un compte, je trouve que c'est mieux via Steam, ça évite que les gens voient votre... mail, si c'est un mail perso en cas de stream. Vous pouvez acheter des premiums, vous avez un système de statistiques. Il y a actuellement 4 nations, donc je les ai chaque nation. Et voilà, bon, vous avez des missions. Bon, vous avez des missions quotidiennes. Le jeu a été traduit dernièrement en français, donc il y a quelques fautes et il y a des trucs non traduits. Voilà, c'est pas très grave, c'est normal. C'est un jeu en early access, il n'est pas terminé, il est plus en ajout d'objets. Vous avez un système de modules. Bon, par exemple, ça a pris un des deux. Voilà, ça a pris l'allemand. Pourquoi ça a pris ces deux-là? Oh, pourquoi? Oh. Je ne l'avais jamais fait. Est-ce que c'est lié à la mission ou... Non, d'accord, ils viennent de réapparaître. Vous avez un système de filtre, entre guillemets. Oui, vous pouvez filtrer par nation, c'est bien. Vous pouvez enlever et supprimer. What? Ils sont pas un peu plantés sur le drapeau allemand? J'avais pas vu. Non. Actuellement, il y a 5 niveaux, mais il est prévu d'en avoir 10. Bon, comme je disais, module. Bon, voilà, ça s'est réaffiché. Il y a certains petits bugs d'affichage. Vous avez deux types de modules. Donc, moteur, on va dire tourelle et caisse, entre guillemets, on va dire, un peu à la World of Tanks. Et l'armement, vous avez beaucoup de types différents. Par exemple, si on prend exemple de celui-là, l'allemand, il est armé, si on voit bien, d'une sorte de grosse lance-patate, oui, voilà, et d'une sorte d'énorme torpille. Voilà, c'est un petit lance-torpille avec une seule torpille de 45 cm, hein, voilà, bon. J'ai cette version, après on peut avoir une version, ah non, c'est du 37 mm, donc non, c'est une mitrailleuse, pardon, j'ai cru que c'était un gros camion, mais non, c'est une mitrailleuse à manette. J'ai un meilleur exemple, attendez, est-ce que c'est le bon exemple qu'on voit? Oui. Est-ce que j'aime mieux? Voilà, j'ai un bon exemple. Le russe, évidemment, quelle question. Il a une sorte de canon de... Un gros canon de 75 mm. Donc, on a un peu de 76 mm, pour exact, 1909. Et voilà, bon, ça... On a deux gameplays différents. On a la mitrailleuse, le gros canon, la torpille. On a aussi un truc qui n'a jamais été vu pour l'instant, que j'ai jamais vu en jeu vidéo. Des grenades sous-marines pour les sous-marins. Oui, quelle question. Il en a celui-là, oui, on les voit à peine. Voilà, on les voit, voilà. Donc il a 6 grenades achetées, hein, évidemment vous les jetez. Elles vont sous l'eau, le sous-marin il passe trop près, ça fait cabot, mais le sous-marin il prend très cher. Voilà, c'est tout simple. Service, vous avez un système de gestion de munitions. Personnalisation, vous pouvez le personnaliser, mais je trouve pas. Personnellement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, la personnalisation. Surtout quand c'est avec de la gold, parce que... Je trouve que c'est un détail qu'on voit très peu en partie. Il n'y a que vous pratiquement qui voyez ce détail. Enfin, je trouve personnellement. Les navires, donc vous avez 4 nations différentes. Actuellement, vous avez l'URSS, bien sûr, avec quelques petits bateaux premium. Bon, ça va jusqu'au tier 5, c'est en cours de développement pour le reste. Voilà, on a énormément de choix. Hein. Bon, il y a beaucoup... Je ne connais pas tout. Je ne suis pas trop navire, mais il y en a beaucoup. Chez les États-Unis, il y en a moins. Il y en a quelques-uns. On voit qu'il y a...
Il y en a quelques-uns, on peut tous les visualiser, par exemple l'Echo 2, voilà, on peut le voir avec ses... Ah oui, lui, il a des torpilles, hein. Oh là là. Et je trouve que les modèles sont pas trop vilains, ils sont même beaux pour certains, pas tous, mais... On voit, regardez le détail du verre quand même, ça c'est franchement c'est classe ces tourelles, je trouve. Bon, c'est un peu dangereux et un petit peu visible hein, avec le soleil la plupart du temps quand ça frappe dessus. Et ça doit y donner un effet de serre là-bas dedans, il doit faire chaud, hein. Voilà, bon, vous inquiétez pas pour le blanc, c'est normal, c'est que la traduction française, il manque les textures des traductions de certains éléments. Là, ça veut dire bataille, hein, tout simplement. Ça ressemble un peu aux autres jeux. Hein. Les Allemands, on en a quelques-uns évidemment avec un peu de premium, un peu de tout, on a un peu de tous les types. Est-ce qu'on peut les comparer? Oui, il y a destroyer, lourd, bateau lourd, enfin comment ça s'appelle? Navire lourd, oui, bon voilà, navire lourd, navire moyen et navire d'attaque léger, voilà. On a... Et ça, c'est quoi là? Sous-marin, oui, c'est ça. Donc on a un petit peu, bon, les classes sont pas très bien traduites, c'est pour ça que ça va pas. Hein. C'est plus, normalement, c'est destroyer, comment ça déjà? Cuirassé, je sais plus, on a. Voilà, on a quelques-uns. J'ai complètement oublié les noms. Pas joué souvent à World of Warship dernièrement. Et on a fini par le Japon. Le Japon a. C'est des trucs ultra rapides, hein. Le Japon, c'est des trucs. Bon, il y a du sous-marin, mais le premier, c'est rien à voir avec des sous-marins. C'est un truc pour aller faire des courses. Il fait du combien? Et il va de 44, 40, de 66 à l'avant et 44 à l'arrière, je crois. C'est un autre truc comme ça. Ou... Je sais pas, c'est peut-être une moyenne. Non, la marche arrière est mauvaise, je crois. Je sais plus. Nouveauté, on a les mises à jour. Bon, ça, c'est très bien. On peut avoir les mises à jour, bien sûr, c'est en anglais parce que je n'ai pas parfaitement traduit. Mais ça permet de savoir les infos sans aller sur le site. Voilà, code promo. On peut activer des codes promo, des offres. Oui, changer du. Ah oui, évidemment, ça fait ça, je sais pas. Ah oui, parce que je suis simplement sur un bateau qui ne m'appartient pas encore. Vous avez un système d'entraînement. Le tuto, en fait, c'est le tuto du jeu qui est très bien fait. Et des petites missions à accomplir, voilà. Après, tout ce qui est paramètres graphiques, pensez que le jeu est de base en ZQSD, donc changer les caractères, les touches, évidemment, pensez-y. Si ça vous intéresse, bon, évidemment, les traductions françaises dépendent de partout, parce que c'est toujours très long, derrière, cette langue. Les français, voilà. Le système de volume qui est pas très fort du tout, c'est ce qui est très bien. Et les graphismes, voilà, on a la haute qualité, bon, c'est pas ultra, mais c'est déjà très bien, hein. Voilà, on a beaucoup de choses. Passer en mode plein écran. Ah oui, on peut désactiver ça, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça va faire sauter les records ou faire des choses. Voilà. Donc on va commencer avec bah, celui qui est marrant. Voilà. On va commencer. Donc ouais, il n'y a pas grand monde. Hein, mais il y a du tier 5 pour l'instant. Le jeu est en cours de développement. C'est un. Moi au début, je me suis dit, mais c'est un plagiat de World of Warship. Mais personnellement, je trouve non sur le point que c'est complètement différent au niveau du gameplay. Parce que ça n'a rien à voir, parce qu'on a du sous-marin, on a des tout petits bateaux. World of Warship, qu'on commence déjà avec des très gros monstres. Hein. Déjà, les tirs sont énormes. Voilà, c'est différent. Les maps sont différentes. Et en plus, on a des trucs qui vont super vite, comme ce bateau. Bon, par contre, il n'y a pas grand monde. Ok, beaucoup de sous-marins. Votre navire. Neiketei no One. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Quelques petites astuces aussi. Bon, c'est un bon jeu, franchement. C'est un jeu que vous jouez de temps en temps pour vous divertir ou déstresser, je ne sais pas. Bon, il y a peu de monde à l'heure où je tourne, hein, pourtant. Et c'est surtout que le serveur doit se trouver est assez loin, donc le ping est assez élevé. Bon, après, on n'y peut rien. Ils n'allaient quand même pas nous mettre un serveur européen alors que le jeu vient de débuter, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est comme World of Tanks quand ils ont dû démarrer. Je pense que les premières versions du jeu étaient disponibles qu'en Russie, donc c'est un bon exemple. Voilà, et le jeu doit être probablement développé soit par des Anglais, soit, je pense surtout par des Russes, parce que les, enfin, ou je sais pas par qui sont développés, bien sûr, mais voilà, bon, la partie arrive, parce qu'on a que deux langues différentes au début du jeu. Bon, là, ils ont rajouté le français dernièrement, voilà. Donc, on voit qu'il y a deux types d'armement. On voit que si j'appuie sur 3, ça change d'armement. On passe au truc, comment ça s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Aux bombes, là. En bombe sous-marine, tout simplement. Et bien sûr, une, c'est la mitrailleuse. On voit qu'on a système de réparation 6, 7, 6, 6, 7, 8. On a le plaster, le blazik repair et le fire. Bon, l'extincteur, quoi. Voilà, on a aussi du scotch. Voilà. Bon, on voit que ce truc a du boost, sauf que le jeu a. J'ai omis un détail que je vais dire maintenant. Si on appuie sur la barre d'espace, nous avons une super boost. Vous voyez mon accélération?
Voilà. YOLO. YOLO, je fais du spot. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Je passe juste devant les ennemis en mode bonjour, bonjour, au revoir, je ne fais que passer. Bon, petit freeze du jeu. Ça arrive, ça. Bon, c'est normal. Voilà. Bon, bien sûr, votre moteur surchauffe et j'ai un trou dans la coque. Donc, je vais faire une réparation. Par contre, derrière moi, il y a quelques bugs de physique. Surtout quand je touche les structures. Ça me rappelle War Thunder, ça. War Thunder, elle se détaille quand vous touchez un allié en bataille de chair. Derrière le truc, il avait pas envie. Hein. C'était un peu full buggé. Voilà, j'ai réparé. Les réparations sont gratuites et illimitées. Waouh, il y a eu un mois 250 là-bas. Il y a quelques problèmes au niveau des hitbox, des impacts. Donc on peut camper un petit peu. Donc j'ai une mitrailleuse. Bon, évidemment, je ne perce rien. Et voilà. On voit que par contre, l'avantage, c'est que ça vous dit s'il y a quelque chose, entre guillemets. World of Tanks avait ce problème au début. C'est que ça vous disait, hey, si tu tires au pif, tu peux savoir s'il y a des ennemis. Là, c'est le cas. Ce qui est un inconvénient, finalement, je trouve. Bon, je sais pas si ça marche tout le temps, mais la plupart du temps, tout le monde s'entre-spot. Bon, mon bateau, par contre, n'a aucun effet sur ce genre de game. Ah, si. Wow. Ah, oui, par contre, oui, les mitrailleuses tirent à l'infini. Hein. Voilà. Ah, bah, j'ai fait un kill, voilà. Voilà, j'ai fait un kill. C'est rare quand je fais des kills sur jeu. Boost! Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon du tout. Bonjour, je fais que passer. Ah bah tiens. Allez, j'ai pas eu le kill. Sinon, je ne l'ai pas eu. Bon, ce truc est très bien pour faire du snipe, enfin du détail. Il est très précis au niveau de du déplacement. Bon, voilà, on voit que les tiers 2 sont assez pétés parce que c'est une espèce de. Je sais pas, c'est une sorte de. C'est le char russe, il a une toile de T-34. Donc c'est un peu craqué. Voilà. On se le pique peu à peu. Waouh, il a rebondi, il a sauté sur l'eau. Après, c'est une grosse bombe. Bon, c'est pas très très réaliste sur ce point-là. Mais... Ah oui, mais il avait pas de blindage, je me souviens de ce truc. Et je me rappelle qu'il m'avait défoncé parce qu'il a quand même un canon extrêmement puissant. Et on voit que le jeu est différent d'autres jeux tels que World of Tanks, c'est que. C'est très facile de prendre par derrière l'ennemi. Bon. Au sens normal du jeu, hein. Ne prenez pas d'idée sur cette phrase, merci. Voilà, on voit que c'est. On peut. Regardez, j'ai pu contourner l'ennemi d'une facilité impressionnante. Bon, lui, j'ai l'impression qu'il me veut, non? Non, il me veut pas. Bon, bah, je le pique, hein. Elle est pas vue! Je les ai vus au dernier moment, les fusées arriver. Je me suis dit, what? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il bouge pas? Bon, évidemment, bon bateau est là. Bon, il n'y a pas de personnage et. Il a pas envie de couler. Bon, non, il veut pas couler. Bon, voilà, on a un petit peu perdu. Ah, si, voilà, bah, un sous-marin japonais. Voilà, si vous voulez voir un petit sous-marin. Ils utilisent surtout leurs mitrailleuses et leurs compétences pour se mettre sous l'eau et ils ont un très gros effet de camouflage. Tiens, il est en feu, lui, là-bas. Plouf. La, 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 la. Eh oui, il est aussi une grosse torpille. Bon, ça dépend lesquels. Le gameplay est assez différent entre chaque navire. Bonjour. Ça, c'est. Ah, c'est le troll absolu, quoi. Bonjour. Non mais je fais que passer. Hein. Et pan, et pan, et pan. Et bah, bien sûr, ils ont très peu de points de structure. Et en plus, il est tout seul contre tous. Voilà. Bon, les games se finissent toujours en... Bon, en fait, les stats sont sortant entre guillemets à la fois en game. Mais bien sûr, c'est un peu long de retourner au garage. Bon, voilà, ça arrive. Il y a des petits temps de chargement assez rapides. Bon, le jeu est très léger, c'est pour ça. Les approches des fêtes. Voilà. Bon, c'est une petite présentation de ce truc. Oh. Ah, on a le droit de la gold gratuite? Oh, je ne sais pas. Ok, pour un nouveau treat. Ok, oui, on gagne de la gold gratuitement. Je suis pas contre hein, du tout. Voilà, donc le véhicule, j'ai gagné des éléments, j'ai déverrouillé des modules. On voit que j'ai déverrouillé une nouvelle carcasse ou une caisse, comme vous voulez. Chacun sait. Et on voit que ouais, je peux avoir les bombes. Je les ai pas utilisées, les bombes à son. Personnellement, j'arrive pas à m'y faire aux bombes sous-marines. C'est un peu particulier. Bon, on va prendre un gros truc. Je crois que mon plus gros, enfin au niveau puissance de feu, je crois que c'est celui-là avec son gros canon de 76 à l'arrière. Parce que le reste, j'ai une torpille, mais j'en ai qu'une. Hein, et quand t'as qu'une seule torpille, c'est pas dur, hein, c'est pas facile. Hop. Bon, on en fait une petite deuxième pour la présentation du jeu. Hein, voilà. N'hésitez pas à le télécharger, je ferai probablement des streams dessus. De temps en temps, parce que c'est un bon petit jeu. Pas trop longtemps, c'est un jeu, il faut pas jouer des heures et des heures de toute façon. C'est un jeu où tu joues un moment, puis tu quittes. Tu viens farmer tes petits. Je sais pas, il y a des multiplicateurs quotidiens, j'ai pas vu. Est-ce que je peux quitter? J'ai complètement oublié. Oui, on a des multiplicateurs quotidiens. On a du x2 XP, des recherches. C'est pas de l'XP, c'est des points de recherche. C'est déjà dans un sens très logique, les points de recherche. C'est vrai que l'expérience. Un char ne devra pas avoir d'expérience, mais un personnage peut avoir d'expérience. Parce que.
Voilà. Bon, bah la partie s'est lancée tout de suite. Ça marche, le coup du matchmaking qui veut pas se lancer. Non, on peut tomber jusqu'à du. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que c'est du 11 contre 11, 11 maximum. Ah non, plus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On peut faire du 16 contre 16 maximum. Bon, ça doit être au moment où les serveurs sont pleins. Voilà. On voit que sur celui-là, j'ai beaucoup plus d'armement. J'ai à l'arrière. On le voit un petit peu, j'ai les bombes. Ouais, c'est les deux points rouges. J'ai le canon arrière que j'adore. Et j'ai la mitrailleuse. Alors, un petit point sur ce jeu qui me dérange un peu. C'est que les canons sont pas synchronisés. On voit que le canon arrière ne bouge plus, mais le canon avant bouge. Parce que je suis dessus. Mais quand je suis sur le canon arrière bouge, mais pas celui de l'avant. Donc, d'avoir les canons pas synchronisés, d'abord, quand tu veux alterner, il faut attendre que ça bouge. Voilà, donc c'est le défaut. Même si personnellement, j'adore le canon de 76. Fire! Bon, par contre, il faut anticiper à fond. Et on voit le petit temps de rechargement à gauche, la petite barre. Hop. Oh, bah j'ai touché, 32 dégâts. Bon, ça fait pas Emas. Hop, au fond, nous avons petit user, AFK. On fait 11 ans. Boum, 140. On a le temps de rechargement. On a pas trop de détails, ça spamme pas trop. J'ai rien fait, ça a touché à côté. T'es sérieux? Je crois qu'on a par contre le tir allié, je sais plus si on a le tir allié. Bon, c'est pas très très grave, ça reste pas d'un truc très très grave. Tout tout. Bon. Ah oui, j'ai le boost, j'oublie. On a le boost, hein. Faut y penser, on peut avoir une accélération. Bon, le problème, le moteur surchauffe, ce qui est tout à fait normal. Oh, j'ai pas vu celui-là. Marche arrière boosté. Est-ce qu'on a la mèche? Ah oui, on a la boost sur le marche arrière aussi. Regardez-moi celui-là, là-bas. Celui-là qui veut. On va lui rusher la tête. Ah non, ils arrivent. Oh, c'est gentil ça quand ils arrivent. Oui, par contre, lui a touché. Pas que c'est pas facile. Là, tu vois, elle arrive. Voilà, la mitrailleuse est pas très très précise, mais. C'est largement suffisant pour se faire des trucs comme ça. Hop, on fait un petit peu douce de partout. Du temps, le canon, on le synchronise. Ah, je me suis fait troll. Mais par contre, des moyens, des bugs d'affichage. Par contre, merci de passer devant. Il n'y a surtout rien. Hop. Et boum! C'est entendu de bon devant, ça ne met pas de pénétration, mais c'est un bug ça aussi. Ouh, j'ai l'impression d'être visé. Boum, 140 dans les fesses. Ah, what? Il est là. Pouf. Il l'a payé celle-ci. Ah, oh, bah tiens, on va faire une victoire, c'est beau. Et boum, plein dedans. Ok, non, ok, non, dégâts, bon. On va pas y expliquer comment ça marche. Et j'ai eu un tir, je ne sais d'où. Bon, voilà, c'est une bonne petite. Bon petit jeu quand même. Bon, on voit qu'on a. On a coulé, hein, c'est beau. Voilà, donc, oula, problème d'affichage. Ça, j'aime bien les jeux qui débutent comme ça, ils sont toujours buggés. Moi, j'aime bien les bugs. Je suis assez fan de ce truc. Bon, voilà, Laponie, victoire. Bon, il y a quelques maps, je vous les montrer au cas où, entraînement. Attendez, est-ce qu'on les a toutes? Oui, on les a, je crois, à peu près toutes, les maps. Voilà, donc, je sais plus si c'est tout ça. Oui, on les a à peu près toutes, bon, voilà. Donc on va se laisser là-dessus, donc n'hésitez pas à télécharger le jeu si ça vous plaît, laissez un petit pouce bleu, commentez et partagez, à plus et à la prochaine. C'était TaxeCraft.